Salut les Disney Cruisers, aujourd'hui on est le mercredi 18 mars 2020. Alors c'est encore une journée en mer, la dernière avant d'arriver à San Diego demain matin. San Diego, nous allons passer la journée sur le bateau avant de débarquer vendredi prochain. Alors on a dû écourter pas mal de choses, on n'ira donc pas à Disneyland. Et au lieu de rentrer le 25, on va rentrer samedi le 21. Je pense que c'est pour le mieux. Mais bon, on a de la chance d'être en vacances, donc on va encore en profiter aujourd'hui. Et là, on va aller voir des personnages pour changer. Avec 15 jours d'avance, les tips. Ben nous, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a déjà payé. Comment je sais que j'ai déjà payé? Et ben en fait, c'est vert. Si vous n'avez pas payé, ce serait un papier marron. C'est quoi les tips? En fait, il y a plusieurs catégories de travailleurs sur le bateau qui, en fait, ne sont pas payés avec un salaire vraiment, mais sont payés uniquement selon ce que vous leur donnez. Donc c'est à peu près, je crois, les tips, ça vous revient pour tous les gens qui travaillent pour vous à peu près à 13 ou 14 euros par personne par jour. Moi, je vous conseille de les payer avant de partir, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Salut les Disney Cruisers, comme vous pouvez le voir, c'est le plan qu'on a dans la chambre et on est en train de traverser une tempête et quand on regarde le plan, on se rend compte qu'en fait on est en train de dériver par rapport à la course qu'on avait prévue. On part vers l'ouest, on change un peu de cap, je pense que c'est pour éviter ce qui se passe en ce moment. Ouais, comme vous pouvez le voir là, par la fenêtre, bon, je suis en train de faire un timelapse pour vous montrer en même temps. Mais c'est assez, comment dirais-je, méchant. Vous voyez que l'horizon descend. Et hop, ça va remonter, on va se prendre des vagues. C'est comme ça depuis à peu près 3 quarts d'heure, voilà. Je pense qu'il y a des personnes qui doivent être moyennement à l'aise en ce moment. Je vais vous montrer le plan pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est la météo. Et juste après, maintenant, on va voir, ça c'est notre bateau, là on se trouve. Comme vous pouvez voir, la flèche est montée vraiment en nombre, elle tourne un peu sur la gauche. Et en général, voilà, on voit qu'on dérive sur la gauche, elle est montée, elle est tout droit. Là, je pense que ça va zoomer. Voilà, vous voyez qu'on part sur l'ouest, au lieu de suivre le chemin prévu. C'est sympa, on déguste un petit peu.
Ce soir au Walt Disney Theater, c'est Disney Dream, l'un des plus beaux spectacles sur les croisières Disney, qui a gagné plein de prix en plus. Bah, je vais vous mettre quelques images parce qu'on ne peut pas filmer pendant le spectacle. Thank you.